Salut à tous, c'est Lino, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Donc comme tu l'as vu au titre et à la miniature, en fait c'est une vidéo où je vais vous montrer le meilleur spot de la carte. Enfin peut-être pas de la carte, mais voilà. Mais juste avant, voilà, j'organise un concours de V-Bucks. Donc un like, un V-Bucks. Donc voilà, si vous voulez par exemple 10 likes, ben si vous mettez 10 likes, bah par exemple ça va faire 10 V-Bucks. Donc du coup, bah je vais vous en donner 10 par truc. Voilà, il y a un site fait exprès. Donc je vais vous faire gagner des V-Bucks. Donc voilà, de toute façon, je vais faire un concours dans pas longtemps de 1000 V-Bucks à gagner ou de 2800. Si vraiment vous êtes très chaud, les babins. Et voilà. Si vous êtes vraiment chaud, chaud, chaud. Donc faites-les moi savoir. Et pour participer, de toute façon, c'est très simple. Vous mettez en commentaire, je veux des V-Bucks. Voilà. Voilà, il y a des gens qui voulaient des V-Bucks. Voilà, je fais un concours. Donc, comme je vous l'ai dit, vous mettez, je veux des V-Bucks. Voilà, c'est tout simple. Et je vais faire un tir ça dans 3-4 vidéos. Si vraiment tout va bien. Donc voilà, je vous laisse sur ça. C'était Lino. Peace, bye bye. Peace. Hey! Mais attends, je suis passé de l'un à l'autre là. Bon, bref, c'est pas grave. Enfin, j'ai une nouvelle vidéo. Je suis très content de vous partager cet endroit. Voilà, donc c'est un endroit assez caché sur la map. Donc c'est les petits îlots japonais. Voilà, il y a beaucoup de stuff dedans. Donc voilà, moi je suis allé sur lui et vraiment c'est le spot, je pense, un des meilleurs sur la carte parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde et vraiment il y a beaucoup beaucoup de choix à faire ou je sais pas, il y a beaucoup de choses à faire. À la base, je suis venu là pas pour faire une vidéo, mais voilà. Après, j'ai trouvé que l'endroit était hyper bien, hyper magnifique. Donc, voilà, vous pouvez voir que j'ai une première potion M4, voilà, deuxième potion, et là encore une potion avec un petit truc. Voilà, ça fait toujours plaisir et c'est vraiment très cool parce que les endroits comme ça, un peu cachés, un peu stylé comme ça, c'est vraiment stylé, c'est vraiment cool que Fortnite ont mis ça. C'est parce que voilà. N'hésitez pas aussi les gars à participer au concours que je vais faire de V-Bucks. Voilà, mettez je veux des V-Bucks en commentaire. Voilà, donc là j'ai coupé, j'ai mis mon accéléré un peu. Je vais aller dans les home hotel. Donc voilà, je sais pas, vous voyez le motel à côté, il y a des petits trucs comme ça. Donc voilà, je vais aller au motel. Au motel, je vais avoir un peu beaucoup de stuff. Enfin, je vais avoir du bon stuff. Tiens là, je vais aller ici sur le coffre. Il y a un pompe bleu en bas. Dans le coffre, je vais avoir une petite popo, une M4 bleue. Voilà, hop, j'ai un pompe bleu. Voilà, j'étais bien, je suis bien, même si très bien. Voilà, je vais aller dans l'autre, bien sûr. Dans l'autre, je vais pas trouver beaucoup de choses, mais je vais trouver quand même un peu de stuff. Donc voilà, il y a des bandages, 5 petits bandages. Je vais peut-être, je vais les prendre, oui. Parce que je vais les prendre parce que j'aime bien les bandages. Voilà, là, je vous ai mis en accéléré, je vais fouiller le motel. Et dans le motel, il y a beaucoup de trucs quand même. Hein. Il y a pas mal de bons loot. J'ai trouvé notamment une scarpe. Non, je rigole. J'ai trouvé plein de choses. Une arbalète, comme vous pouvez le voir. J'ai eu un deux trois coffres. Facile. Voilà. Donc c'est vraiment cool ici. C'est un endroit que je préfère de la map. En solo ou duo, c'est bien. Il y a beaucoup beaucoup de stuff et c'est très très cool. Voilà. Voilà. Donc hop, je vais aller dans le camion. Dans le camion, il y a un coffre. Dans le coffre, je vais avoir. Attention. Donc, voilà, vous avez juste un peu à casser. Hop, un kit de soins, une M4 bleue, une M4 verte, pardon. Donc voilà, j'ai pris le kit de soins. Je vais aller à la piscine, enfin au truc de piscine. Je sais pas comment ça se dit, mais bon, c'est pas grave. Et voilà, c'est vraiment cool, c'est vraiment cool. En plus, il y a une grosse vidéo qui va sortir là. Un top 1 assez spécial. Comme je vous l'ai dit. Pardon. Et voilà, c'est vraiment cool, cool, cool. Et voilà. Et voilà, voilà. Regardez, hop, là j'ai fouillé. J'ai trouvé l'arbalète. Ça. Et après j'aime bien bouger dans un endroit aussi assez proche de là. C'est tout simplement où il y a les pierres, où il y a la grotte, l'espèce de grotte. Parce que c'est vraiment, pardon, c'est vraiment stylé. En fait là, bah, de toute façon vous allez voir sur la scène d'après. Voilà là, c'est une espèce de grotte où il y a
beaucoup de pierres parce que c'est une grotte. Et il y a souvent des petits pompes, des petites mitraillettes. Souvent. Des fois, il y a même une popo. C'est vraiment souvent que je vais là. Quand je vais, bien sûr, au motel. Ou par exemple, quand je vais à Anarchie, je passe par là. J'ai déjà eu un pompe chasseur, ben, voilà. Mais bon, après, je me fais tuer comme une merde. Enfin, comme une merde. Pas comme une merde, mais voilà. C'est là que je vais me faire tuer. Regardez, hop, le mec il va me rush. Je vais enlever tous ses PV. Mais bon, il a réussi à me tuer. Un jeu à lui, hein. Hop. Non, c'est les petites grenades. Je vais me retrouver. On va loin avec lui. Il a tiré, il est aux pompes. Il... Pardon. Hop. Hop. Voilà. Je sais pas comment il a matché, bref. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que tu as aimé. Si t'as aimé, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu et à t'abonner à ma chaîne. Ça fait extrêmement plaisir. C'était Lino. Peace. Bye bye. Et peace.